vie en circonstance. Bonjour Ali, comment tu vas? Bonjour, bonjour à tous, bienvenue ici-bas. Une découverte ou une redécouverte, vu que vous avez déjà vu voir 1 million de streams là-dessus. Mais oui, moi ça va, je suis contente. Pour te dire, j'ai une otite dans les deux oreilles. Est-ce que c'est logique de faire un stream avec un cas sur les oreilles? Non. Mais pour l'instant, en fait c'est ce que j'avais prévu, mais pas l'otite pour le stream. Mais bon, j'étais chercher des petites gouttes, un petit Irfen, ça devrait le faire. Si ça va pas, bah j'arrêterai le stream, c'est pas bien grave. J'ai mis mon super peignoir carte du maraudeur. C'est pas très pratique. J'aime trop. Oui, je vais... Tout ça pour dire que je suis trop contente d'être là, en fait. C'est mon personnage, mon personnage principal, que je suis level 18 et j'ai joué près de 20 heures déjà. Ah, 14 heures ils disent, comment c'est possible? Pourquoi ils disent 14 heures alors que sur mon Steam ils disent 20 heures? Ça me rassure que ça soit que 14 heures, parce que je me disais 20 heures ça me paraît beaucoup depuis mardi quand même, depuis mardi soir. Vous entendez bien la musique, le son du jeu, qui est plutôt important parce que tous les dialogues sont parlés et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment un mode histoire hyper immersif. Même notre personnage, c'est très rare dans les jeux, je trouve, que notre personnage, en dehors de Witcher peut-être comme ça, mais que notre personnage parle. Souvent, le personnage, c'est du texte. Et la personne en face nous répond. Mais donc je suis plutôt assez très fan de ce principe. Alors. Nous avons le chat. Donc, je vais juste régler mon overlay. Qu'est-ce que tu fais de beau, Ali? Tu bosses, tu révises. Alors, je révise, ouais, comme d'hab, quoi. Toujours en train de réviser. Ma pauvre. Bientôt fini ses études. Alors, je voulais juste pour augmenter. Ça, je vois bien vos messages. Donc, quoi, on va commencer. Hein. Tu as déjà vu le jeu, Ali? Merci. Ou les autres, d'ailleurs. Il y a des autres personnes. Est-ce que ça a déjà découvert un peu le jeu, vu des vidéos? C'est avec. En fait, ce qui. Non, encore rien vu. Oh, tu verras, c'est juste tellement bien. Mais je fais un personnage pouf-souf, bien sûr, je suis pouf-souf. Et du coup, en fait, on a 4 slots, donc 4 possibilités de faire de personnages. Donc, je vais en faire un par maison. Du coup, là, je vais jouer un personnage que ma maison. Alors, ça me rend triste de le faire ça pour le live, mais bon. Voilà, je vais pas faire deux personnages pouf-souf, ça n'a aucun intérêt. Surtout que les quêtes sont légèrement différentes. Suivant la maison dans laquelle vous êtes, apparemment. Donc. Hi.
Ah oui, alors la particularité dans ce jeu, c'est qu'on rentre à l'école. Pouf-souffle en force! Oui, maintenant! Bah, sauf que là, je vais pas faire une pouf-souffle, ça me fait mal au cœur de pas faire la Pride, Hufflepuff Pride, en live, mais j'ai déjà un personnage pouf-souffle, ça n'a pas d'intérêt d'en faire deux, quoi. Ça va et toi? Ça va bien. Donc oui, la particularité, c'est qu'on rentre en cinquième année. Qu'au début, on a un professeur qui va nous donner des cours. En fait, vous allez voir tout de suite, on va lancer le jeu déjà, on va faire notre personnage. Si je faisais que passer, je promenais mon bébé poilu à la plage. Oh! Il a la chance, le petit poilu. Donc, on va faire un personnage. On peut pas faire un personnage aléatoire. Floki, tu mets ta tête au milieu de mon écran. Je t'aime très fort, mais c'est pas très pratique. Je te souhaite une belle journée, une bonne game. Merci à toi aussi, des gros bisous. On va quand même faire une fille. Je vais faire deux filles et deux garçons. Non, deux filles, trois filles et un garçon. Je pense que je ferai un garçon juste par principe. Je préfère un garçon pour fou. Enfin, on a que quatre slots de personnages. Ça changera peut-être par la suite, mais bah, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire 10 parties non plus? Oui, tout à fait. On dirait que je vais découvrir le jeu alors que j'ai déjà joué 15 heures. Y a plein de. Ouais, alors. Il disait qu'il y avait une personnalisation hyper poussée, mais je trouve pas qu'elle est hyper poussée, la personnalisation, personnellement. Ah non, mais oui. Après, la couleur de peau, ça va à blanc, très blanc. Je trouve que les lunettes, ça change tout le visage. Pour le coup, c'est très réaliste. Couleur des cheveux. Mon personnage, j'ai fait les cheveux violets. J'avais pas fait les cheveux violets à la base, mais j'ai fini par changer. Ah, mais ça, le problème, c'est la couleur du cheveu. C'est vraiment quelque chose. J'aime bien celle-là. Je crois que j'ai cette coupe de cheveux là d'ailleurs dans mon autre perso. Quelque chose qui ressemble. Il y a des coupes de cheveux vraiment sympas. Il y a vraiment, pour les coupes de cheveux là, il y a vraiment du chou.
J'en ai pour 3 jours à faire le personnage. Qui c'est qui fait aussi 3 jours pour faire son personnage? En fait, je pense tout le monde, mais... Après, tu vois sa gueule tout le long, c'est vraiment chiant. La coupe de cheveux que j'avais mis à mon autre perso, je l'aimais pas du tout. Bah du coup, après je suis contente parce qu'en fait on peut changer de coupe de cheveux après, plus tard. Ça fait très vieillot ça quand même. C'est ça le problème. Je crois que c'est la même couleur que j'ai pris l'autre fois, mais c'est pas grave, je l'aime bien ce truc. Donc oui. J'ai pas envie de tâche de rousseur, le teint. Ah non, il fait assez naturel, je trouve. Ok. J'ai l'impression que mes sourcils sont pas assez foncés par rapport à mes cheveux. J'aime bien les sourcils quand ils sont foncés en fait. Ça fait pas très sourcil épilé ça. C'était assez incroyable. Est-ce que le son, c'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Quelques toiles d'araignée et de la poussière, pas de quoi s'inquiéter. En mode facile. En fait, j'ai essayé en mode histoire, c'était trop facile. J'ai essayé en mode facile, ça va. J'ai essayé en normal, c'était trop difficile. C'est vraiment cool parce qu'il y a 4 modes pour ceux qui veulent juste faire l'histoire et qui n'aiment pas les défis. C'est ce que je pensais, mais franchement, le mode facile, il est bien. Il est pour quelqu'un qui n'aime pas trop les combats et tout. Mais avoir quand même un minimum de résistance en face, on dirait. Donc je vais mettre Sandra. Non, on va mettre. Non, on va changer. Les personnages ne vont pas tous s'appeler Sandra. Bien. C'est quoi qui s'est passé là? Sandra, oui, on va mettre Sandra, mais on va changer le nom de famille. Je sais pas quoi mettre comme nom de famille. Allez. Il reste. On commence l'histoire. Ah! Je crois que nous sommes presque prêts à partir.
Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la... Oh Eléazar ! George, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Eléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres. Avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Eléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eléazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez! Nous... Tenez bon!
Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé ? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur ? Où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est à porte au loin. Porte au loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi. De Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous pensez que... Le porte au loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé... Et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-loin qui nous a menés ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne ? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. C'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. C'est une cible active. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Tout cassé, tout cassé. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Genre, il fait genre, on sait où on va. Coucou, Ours Polaire, comment tu vas ? Accrochez-vous bien !
pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-loi nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Qu'est-ce que c'est? Professeur Fig! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ça alors, par Merlin! Par Godric! Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un? La banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. J'avais des papillons dans le ventre. C'est trop bien, il y a tellement de papillons, c'est le même univers. Et gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 ans. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Et quelle journée. Bon, allez-y. On entend plus ma voix.
Le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loi, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Je vous pose des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. C'est juste que le jeu est trop fort. Ou le jeu est bien, mais c'est juste qu'il faudrait que je monte ma voix. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ma vie est un gros bordel. Ah, ah là, c'est trop fort, ça arrive dans les... Est-ce que là, ça va? Ah, mais ça arrive dans le orange, dans le jaune, donc... Je me fais ma relation de 7 ans et demi avec mon homme, donc en ce moment, pas trop de stream. Ah oui, j'imagine que... T'as d'autres priorités. Un, deux. Ah ouais, mais le jeu du son, oui. Le son du jeu. On va faire comme ça. C'est vrai que c'est difficile à régler vu que je veux que vous entendez bien, vu qu'il y a tous les dialogues qui... Voilà. Tu parles de la maison maintenant. Ah, ok, oui, je comprends. Oui, quand t'es en couple et puis que, en plus, il est encore là. Vous êtes encore dans la même maison. C'est pas facile. Là, ça sent bien. Hop. Le coffre de l'ours. Merci pour votre aide. Chercher ici à votre avis. Petit chat. Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Que je t'enferme. Bah, viens, Sheldon. Viens. Saute. Professeur. Je ne m'attendais certainement pas à cela. Écoute, j'ai l'air débile, là. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Tu peux venir, il n'y a pas de souci. Réveillon. T'as prouvé peut-être. Hier que je pouvais jouer avec ta petite Réveillon. Bouille là. On vient. Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, décembre quand même. Oh, GG. Levez votre baguette et concentrez-vous. Un petit chat. Jouer à Harry Potter avec un chat sur les genoux. Parfait. Hier, il est resté une bonne partie de la soirée sur mes genoux pendant que je jouais. Par contre, tu te couches, parce que maman elle peut pas jouer si tu es debout sur ses genoux. Et je peux pas faire des camps. Mon chat, il est trop mignon. Ta tête est figée. Oh. Il faut bien que tout bug. Allez, on va relancer ça. Puis maintenant il y a le chat qui est sur les genoux, alors pour réussir à aller trafiquer ma webcam, ça va être bien. Okay. Bon, Sheldon, je suis sincèrement désolée pour ta petite bouille d'amour que j'aime. Ou tu peux rester. Il n'y a pas de souci, mais tu dois patienter un petit peu.
désolée. Tu peux revenir après. Alors, on va... Pourquoi ça veut pas ? Ça marchait jusqu'à maintenant. Parce que mon téléphone n'était pas connecté à internet. C'est un mystère. Sorry pour ce contretemps. En fait, quand ma connexion va bien, puisque maintenant j'ai la fibre, il y aura toujours quelque chose qui va pas aller. C'est fou. Ah! Sorry, ça va bouger. Voilà. Oui, tu peux revenir, Sheldon, si tu veux. Si, il guette. Alors, ma manette. Tu veux venir, Sheldon ? Viens. Il fait de la peine, ce chat. Il fait de la peine. Voilà. Cette fois, c'est bon. Pouvoir... Merci, désolé pour le contretemps. Alors, premier sort, Revelio. Oui. Revelio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte. Ah, tada ! C'est un début. Et encore. Ce que j'adore, au début que je jouais. J'imagine que vous ne voyez pas de. Si, professeur. Le problème, c'était là, je comprends pas, je comprends pas. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je Coucou vous en Lily, prie. Comment tu vas? Lumos. Ce n'est pas ça un va, ça va. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? Ça va, ça en va. Effet, bien que j'ignore sa raison. Je suis à Poudlard, c'est temps, donc ça va. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Par contre, je lis pas beaucoup. Je fais rien d'autre de ma vie, mais... Mais on kiffe. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours j'entends cette pas des lueur, masques par au jeu. Mais par terre. Mais j'ai déjà augmenté. J'ai déjà fait la réflexion tout à l'heure. Ok. Ça va là? Bah c'est le jeu qui est trop fort en fait. Aussi. Alors. Allô, allô. Ça va mieux là comme ça? Le truc c'est qu'il y a beaucoup de dialogues dans le jeu donc il faut bien l'entendre, mais c'est oui c'est effectivement il faudrait peut-être entendre ma voix aussi par-dessus. J'avoue que d'habitude j'ai pas de réglage avec le jeu comme ça. Ok, on va voir.
Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos ! J'aime apprendre des sorts. Lumos. Bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. C'est là que ça sent le pâté. Au début, on a aucun, presque pas de sort. Mort. Autant mort que des statues peuvent. C'est quoi ce bug graphique là ? Tout à l'heure, j'ai un espèce de professeur truc dégueu professeur qui apparaît Fig à mon écran là. Professeur, où êtes-vous ? Oh, je n'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Parce que je suis dans la noire. Je ne vois pas où je vais. Il y a des traits de lumière là, je sais pas, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Ces traces de magie semblent vouloir me mener quelque part. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Toujours cette lueur. Activer les statues pour qu'elles puissent mieux m'attaquer. Super, on adore. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ah bah oui. La dure réalité de la vie. Avec un sort ridicule. C'était tout. Maintenant, Y lors de Protego pour contre-attaquer et étourdir les ennemis. Ah, je me rappelais pas de ça. Stupéfix.
Ça défoule. Lumos. On va suivre la magie. Suivez les lucioles. Suivez les papillons. Coucou Nono, comment tu vas? Une pancine. Oh, vous voilà. Comment avez-vous? Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Petit souvenir. C'est la décoration. Tout est en place. Le porte-loin est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin... Merci, bonne journée à toi. Impossible à suivre. Ce sera bon le courage. Cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles... Le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Tout m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrok. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Ah oui.
Ça, c'est moi. Moi, je serais dans ce genre-là. Je mourrais très vite. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Ah. Je pense que tu l'as énervé. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous? Oh oui, j'aime trop là. C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. C'est beau. Voilà, répartition. Bon. Comme j'ai dit avant, je suis une fière pouf-souffle, mais j'ai déjà un perso pouf-souffle, donc je vais faire un perso d'une autre maison. Même si ça me brise le cœur. Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre... Ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrok. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Qui est un ancêtre de Sirius et qu'on voit dans le... Merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Ça, des complications. Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons.
Dans quelle maison allons-nous aller? Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue, vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours, de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Vous n'abandonnez pas facilement. Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir. Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle. Oui, en fait... Je suis mon compte Pottermore en fait de Wizarding World a été linké à mon jeu, donc automatiquement il met chez Poufsouffle. Mais je peux choisir une autre maison. Bah, du coup c'est pas un truc aléatoire, on peut vraiment choisir. Donc qu'est-ce que je vais choisir? Serdaigle, parce que ma Poufsouffle clairement c'est ma maison. Mais si je devais aller dans n'importe quelle autre maison, je pense que ce serait Serdaigle. Alors on va mettre Serdaigle. Vous avez l'esprit vif, vous apprenez vite. Vous irez à Serdaigle. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. En deux mots, dégagez de là. Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Yay. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ça ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas. En effet, professeur. Voici donc l'entrée de la salle commune de Serdaigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Qui a vécu le plus longtemps? Le fantôme ou l'esprit frappeur? Un fantôme ou un esprit frappeur? Un non-être ne peut avoir été. Bien sûr, c'est logique. Ça, c'est pour la question pourquoi je ne serai jamais à Serdaigle. Ce genre d'énigme, c'est vraiment pas mon fort. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur. De voir la salle commune. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien.
tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Ils ont des lits à étage à Cerdeil. Il n'y a pas assez de place dans les tours. Je suis deg de ne pas pouvoir y jouer. Ah. Ouais, je pense que tu vas devoir attendre la Switch en juillet, ou bien. Lumos. Il faut monter. Ou investir enfin dans un PC. Ah ouais. Oui. C'est moi, elle paraît très vide cette salle commune, je sais pas. Elle est aérée, mais. Ça ne va pas non plus. J'adore, on peut tout bouffer. Et tout boire. J'aime trop. On peut pas activer les cheminettes encore. Oh, c'est beau. Attendez, je vais faire un truc. Non. Ok. Donc il y a des gens avec qui je dois parler. Il faut juste attendre le bon moment. Une seconde. Admire le spectacle. Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un a jeté une bombe à mousse. C'est drôle. Je m'attendais à une autre réaction. Dommage. À quoi est-ce que tu t'attendais? J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Les serres d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Au fait, je m'appelle Everett. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant. Je suis ravie d'être ici. Je suis prête pour le début des cours. Tant mieux, j'en suis ravie. Y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères, mais justes. Tu sais... Je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse, et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères, mais justes. C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi, j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Un grand chaperon pour un cerdègue, dis donc. Respire profondément. Hey, salut! Tu veux jeter un œil? On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Amit. C'est un plaisir de t'accueillir à Serre d'Aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne te le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui, on peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur Chat sait tellement de choses. J'espère que j'aurai des cours d'astronomie. Ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en cinquième année. Oh, j'en ai pas eu encore dans mon autre partie. Et puis, un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginées. J'imagine qu'on se verra en classe alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt. C'est un bon cerf d'aigle, lui, ouais. D'être excité par le parchemin neuf. Je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur endroit.
Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal, pour qu'elle soit heureuse. Mais j'arrive pas à trouver. Bon sang de bave boule! Ma seule envie, c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave boule? C'est une expression à moi. J'ai apporté de chez moi ce plan de dictame et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le dictame incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée, Samantha. Est-ce qu'on utilise du dictame dans la potion Wiganweld? Mais oui, tout à fait. Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potion. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiganweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique, mais semble très bien connaître la pratique. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiganweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictame. Merci. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. Alors, bonjour. Retrouver le professeur Weasley devant la salle commune. Ah non, mais c'est en bas. C'est... Ah non, mais il y a des escaliers, j'avais pas vu. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Oui. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon. Étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Buse ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par « suivre ma progression » ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Ok. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Marchons à deux à l'heure. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Non mais tu t'imagines devoir monter tous ces escaliers tous les jours. Pourquoi ne pas essayer de lancer Rébellion sur ce buste pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire. Une raison aussi que je suis pas à Serdaigle. Rébellion. Un bus sculpté en l'honneur de la maison Serdaigle. Cette œuvre d'art est exposée dans l'imposante tour de Serdaigle. Vous venez de débloquer un défi du guide des sorciers. Ouais. Oui. Guide des sorciers. Bon, après, moi je. Non, mais je voulais pas quitter le guide. C'est pas grave. Je regarderai plus tard. Pas mal, n'est-ce pas? Je passe parce que j'ai déjà fait une partie, donc je connais. À l'intérieur du château, comme des bases. À
de temps à perdre. On vous attend en classe. Oui, bah écoute, j'aimerais bien avancer plus vite, mais tu m'empêches de le faire. Le château est tellement magnifique. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Ok. J'ai jamais été là-bas, je peux pas aller. Le hall central, ça doit être ça. Dans l'annexe de la bibliothèque. Attends. Ah non, c'est vraiment dans l'annexe de la bibliothèque, ok. Ça vous a débloqué la flamme de cheminette. Donc voilà, hall central. Oui, parce qu'on peut se téléporter. Heureusement, parce que l'autre fois, j'ai voulu me faire la malie, elle me dit, je vais pas me téléporter. Et je vais aller, genre, de la salle commune à une salle de classe. Et je pense que j'ai mis 10 minutes à y aller. Et même pas en me perdant, en suivant le chemin sur la carte. Beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien sûr. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer... T'as vu le réel que je t'avais envoyé en MP il y a un bail ? Sûrement. En général, quand on me voit un truc en MP, je le regarde, mais je vois pas de quoi c'était. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de me confier des devoirs supplémentaires après les cours. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires. Super, la chance. Habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragons. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Je regrette, professeur. Ça date du 27 janvier, c'est du Lego. Il n'y a rien de plus à raconter. Le professeur Fig m'a dit la même chose, attends, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Oh. Oui. Alors, Lily... Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Sur Instagram ou sur Discord? C'est plutôt lui qui nous a... Sur Insta, j'ai rien. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Ah, sur Discord. Sur Discord, c'est possible que j'ai passé à côté sans faire exprès. Ça me perturbe, je vais regarder. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour... Mais normalement, en général, je clique dessus. Oui, ah oui, je l'avais vu, oui. Je t'ai pas répondu. Sorry. Oui. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préola. Oui. Je l'avais vu.
Bah, désolé, mais oui, il est incroyable. Pour info, c'est un réel où quelqu'un a créé en Lego, mais c'est vraiment genre le grand hall de Poudlard et puis avec les escaliers qui bougent et tout en Lego, c'est incroyable. Oui, je l'avais vu. Alors, c'est bizarre que je t'ai pas répondu. Après, est-ce que je l'avais vu ton message ou est-ce que j'avais. Bah non, techniquement, j'avais une notification, mais bon. Vu que j'aime tellement pas les notifications, des fois, j'avoue, je baste. Si j'étais pas j'avais pas le temps de regarder et tout, et après, j'oublie. Désolée. Il était trop cool, j'avais pensé à toi en le voyant. Mais oui, mais il est incroyable, ce réel. Genre, le gars, il s'est tellement éclaté. Ou la mythe, je sais pas qui c'est qui a fait, mais. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai fait de mon mieux, mais je pense sincèrement qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute, c'est une sorcière la brillante. La qualité du jeu est dingue, c'est un truc de fou. Efficace. Mais des Vous fois, avez bien fait de ne t'as pas la qualité du jeu quand t'as oublier. les cinématiques, elle est Nous ne dingue, mais en savons pas dehors, encore ce qui nous bof attend au quoi. bout Bon, du là je l'ai tunnel. Elle on risque verra de ne pas en approuver full de nos meilleurs graphisme, en de extrême, santé de temps à autre. en Et elle qualité, donc pourrait se ça aide sentir aussi, obligée mais. de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Mais il est dingue. Compris, professeur. Bien. Et le fait qu'il y ait des Donc, dialogues aussi capable pour que vous l'êtes, je chaque pense que quête le a un temps que vous dialogue possédez et pas juste. nécessite un entraînement rigoureux. Le personnage qu'on a en Heureusement, face, mais aussi notre vous avez la personnage. Et chance ça, de c'est assez pouvoir rare dans les suivre jeux. les enseignements de sorciers et Heureusement, ça devient sorcières de plus. talent. Witcher, t'as À aussi, par ce exemple, sujet, mais. et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, Mais c'est vrai que avez-vous remarqué c'est que la loin d'être le carte cas de votre souvent. guide Notre du personnage, il sorcier parle est pas. Il parle par enchanté. texte et puis l'autre nous N'oubliez pas répond. que je vous ai. Alors, ouvrir la carte. Oui, j'ouvre la carte, j'ouvre la carte. Votre défense contre les forces du mal. Oui, bon, Lacticiel, c'est bien gentil, mais. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Ouais, mais Cela le me jeu est sera dingue. très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous Détail et le attend château. entre les cours et vos achats de fournitures après Hollard, notamment On votre va aller baguette. juste pour vous. Monsieur Vraiment, Renoir va vous plaire. je vais. C'est Bon, un artisan de toute hors façon, pair là, je qui suis en a l'habitude. obligée parce que c'est pas Je vous activé. contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet Mais de votre on peut se mystérieux téléporter voyage. dans le château avec de D'ici la poudre là, de cheminette. concentrez-vous sur vos cours Mais et écoutez en fait, bien. se balader dans le Ce que château pour vous traverser le apprendrez château entre de ces bout en murs bout, mais je ne vous pense que vous mettez servira 10 pas minutes. que Il pour est votre énorme. buse. C'est vraiment comme si vous étiez vous baladez vous dans le château. C'est pas genre t'as trois ailes avec trois couleurs qui se croient après. Non, non. C'est vraiment un truc de fou. Oui. Regardez, le détail est incroyable. Mais je suis contente d'avoir attendu plus longtemps pour qu'il nous fasse un truc autant. What? C'est incroyable. Ah, mais il y a une salle de classe là. On va aller faire en premier celle-là. Ah bah non, c'est pas ça. Oui, alors oui, en fait, le truc apparaît là, mais Vous c'est pas avez un du tout là. passeport qui C'est dépasse. heureusement que, en fait, sur la minimap, on voit, je peux suivre. Autrement, j'ai un truc comme Réveillons. ça qui me permet de, qui m'amène. Let's go. Stupéfix. Stupéfix. Quoi, c'est tout? Bombarda! Levioso! Professeur Ikat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref! Vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir.
La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Allez. Essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Oui. Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli, comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Levioso, bien. À présent, le lancer de base. Bravo. Bravo. Coucou Prissy. La motivation le matin en Goroli. Alors moi le matin c'est... Je suis bien plus motivé le matin que... Commençons avec vous deux. Qu'à n'importe quel moment de la journée. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Ok. Ça devrait être facile. Protego. Protego ? Ça complique les choses. Stupide. Chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Moi, je suis sûr que c'est pas mes duels. C'est juste. Les duels animés sont passionnants. Stupide. Si seulement tous mes élèves étaient aussi appliqués. Déjà en cours. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. C'est le truc qui est le sexisme du gars. Non, pas pour... non. Là, juste comme ça, il fait le malin, mais non, même pas. Et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serdaigle. Merci, professeur Hecate. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus. C'est juste parce que c'est un gars envers une fille, parce que je t'assure qu'il y a des filles, elles sont bien pires que lui. Ne devez pas prendre dans le jeu. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt. C'est le professeur Hecate. Alors, c'est un jeu Harry Potter, mais qui se passe en début du 19e siècle. Je précise, il n'y a pas de personnages de Harry Potter. Les seuls personnages de Harry Potter, c'est les fantômes. Après, il y a des gens qui sont de la même famille que d'autres personnages ou des trucs comme ça, des ancêtres, mais. Bon travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Au fait. Je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais non, oui, c'est important de préciser pour si vous ne saviez pas. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et... clandestin. Tout de suite.
exclusif et clandestin. Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, premier jour de cours et je suis déjà en train de m'embrigader dans des trucs des clubs clandestins. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien, je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. Non non, il y a une intrigue principale. Les cours, c'est bah tu apprends tes sorts et tout. Ça fait partie du jeu et tout et. Mais non, il y a une intrigue principale. De l'entrée de la tour de l'horloge. Déjà, on rentre en cinquième année. À la prochaine. Parce qu'on a été découvert bien plus tard. Mais aller en cours de sortilège. Donc au début, bah, on a des cours parce que logique, il nous faut des sorts. On se balade dans Poudlard. Ça change de la première année, on doit tout apprendre quoi. Ouais bah là en fait tu dois quand même tout apprendre puisque tu ne le sais pas. Parce que tu arrives à Poudlard en cinquième année, donc du coup tu n'as pas eu de les quatre premières années, tu dois tout apprendre. Donc en fait les professeurs sont tellement gentils et généreux, on a de la chance, ils nous donnent des devoirs. T'as des amis dans le jeu? Alors c'est un jeu solo, mais oui on peut avoir des amis. Bah là le Sébastien. On a eu avant et on a une autre qu'on va rencontrer au prochain cours. Non, il fallait continuer à monter. C'est un vrai labyrinthe ce château. Il arrive au professeur. Ah voilà. Derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi la nouvelle élève. Tu as déjà rencontré le professeur Ronald? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue. J'aime trop ce prof, il est trop rigolo. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, les classes sont mélangées. Oui. Saurait-il me dire la différence entre les dans le livre, il y avait déjà, en fait, tu avais certaines classes qui étaient que de ta maison et d'autres qui étaient mélangées. Non, personne. Genre le cours de potion, c'était avec les serpentards et tout, mais c'est vrai que là, c'est un peu comme dans le film, il y a toutes les maisons. Quoique là, je vois qu'il y a Serdaigle et Gryffondor. On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Non, il y a beau souffle aussi. Non, ils sont... Ah bah Sébastien, il est là aussi. Non, toutes les classes sont mélangées. Bon, c'est plus logique. Viens avec les serpentards, mais il n'y a pas les autres maisons. La botanique, c'était avec les poufs souffles. Mais c'est vrai qu'à chaque en général, c'était deux maisons. L'une avec l'autre. Pas trouvé d'autres utilités, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Allez, toi là on apprend un nouveau sort. Axio. Axio. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi.
Let's go to the park. Ah. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Hein? Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Ça donne envie d'y jouer, mais je me connais, je vais y jouer une heure et après je passe à autre chose. Je vais attendre de voir si j'ai toujours envie d'y jouer. Bah après, tu verras, essaie de regarder des streams et tout. Moi en ce moment je suis dans Stardew. Oh, t'as recommencé Stardew, trop bien. J'arrivais rien à jouer à part Phasmophobia en dehors parce que j'attendais trop ce jeu. Mais Presti, ouais, après ça dépend quel jeu. Mais après, par exemple, je sais pas si t'as une Switch, ça sort en avril sur Switch. Il a construit une estrade, oui, c'est ça. Ah, je dois continuer. Voilà. Ah non, je sais pas. Ah oui, c'est bon. Ah, sans faute. Mais les graphismes ont l'air mieux sur PC. Ah oui, bon, ça. Après, il faut avoir le PC qui le fait tourner. Il est assez gourmand d'après ce qu'on dit. Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous aurez les bleus comme tout à l'heure, mademoiselle Onaï, vous serez rouge, compris? Moi j'ai un bon PC avec une bonne carte graphique, hein, donc voilà, mais je le fais tourner au max. C'est parti. Voilà comment on fait. Action. Voilà. Le mien est plein de photos de colza. Ouais, après, ouais, justement, ça dépend de la carte graphique. Ah merde! Ah ouf, heureusement que je l'ai touché l'autre parce que autrement elle serait sortie. Je sais pas, zut. J'ai quand même gagné, je m'en fous. Haha. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Ah oui. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Concentre-toi. Peut-être juste regarder les autres jouer. Ah merde. Non. Oh. Dégoûté. Et voilà. Oh, merci pour le follow, Kaya. Comment tu vas? Thank you.
Bon, moi, je me suis rattrapée comme je pouvais. Mais genre, elle va gagner parce que j'ai laissé tomber ma putain de boule pour genre 2 mm. Bravo à vous deux. Beau travail. Mais ça va bien, toi, j'ai honte, je t'avais pas follow sur Twitch. Oh, bah c'est, tu l'as fait, c'est ça, c'est cool, merci. Ce n'est pas grave. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps. Je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. J'ai pris plaisir à te parler et à t'affronter. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio. Je peux vous parler un instant, si tu le souhaites. En réalité, il y a tellement de belles sorties en mars-avril, c'est fou. Ah. Vous vouliez me parler, professeur ? Je sais pas, j'ai pas du tout regardé. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Missonaille est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Missonaille est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite. Ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Bon. Quête terminée, cours de sortilège. Nous avons 3 sortilèges. 4, parce qu'on a révélé aussi. Donc, alors ça, oh, on a des équipements. Faut que je, les petits gants. Ah ouais, alors il y a vraiment des équipements qui laissent à désirer. Ouais bon, les fameuses. Alors en fait, ce qui est cool, c'est que je peux porter parce que bah mes lunettes, voilà, il a pas de propriété magique, mais je peux changer, genre mettre un masque et comme ça. Vive la magie. Hein. Par exemple, là, j'ai un béret dégueulasse que je ne vais équiper, mais que je m'en fous. Bon, de toute façon, là, en fait, il a aucune propriété magique, on s'en fout, mais... Par exemple, là... si je déséquipe, je me retrouve en chemise de nuit. Mais non, j'avais jamais fait. J'avais jamais vu. C'est d'habitude juste un bandeau sur les seins et puis une culotte. Mais. Alors, ça, c'est quand t'enlèves ton équipement, ça donne ça. Fin 19e siècle, et voilà. J'ai mis le perso. Arrêtez de dire que j'ai raté, j'ai gagné aussi. C'est un pige, oui. Apparemment, c'est le pyjama ou le sous. Ouais bah en fait le fait d'avoir comment dire ce qu'ils elles mettaient sous les robes en fait leurs sous-vêtements quoi. Alors, mettre une écharpe, moi je vais pas mettre d'écharpe donc je vais cacher l'écharpe. Autrement je peux mettre une, ça fait très Gryffondor ça quand même. Donc voilà, ensuite les quêtes, nous avons joute magique manche 1. On va aller faire les joutes magiques. Défi. Voilà, ouais. Comme ça.
Ça, en fait, je déteste quand il y a une notification, mais vous voyez, chaque fois qu'il y a un point d'exclamation, ça veut dire qu'on a un nouveau truc. Par exemple, là, c'est une des collections, donc on a eu un nouveau gant, donc il va apparaître là. Ça nous permet de savoir si on a tous les objets du jeu ou pas. Plutôt bien. J'adore explorer et faire tout à 100%. L'après-cours de Weasley. Retrouver le professeur Weasley dans la salle de métamorphose. Est-ce qu'on va faire la joute magique en premier ou est-ce qu'on va faire ça? C'est rigolo la joute magique. Les gens qui ont apparemment fini. Non mais les gens qui ont fini, ils ont vraiment pas de vie en fait. Parce que vraiment c'est long. Je peux dire que moi j'ai joué 20 heures là sur mon autre partie. Non, alors je sais pas, j'ai peut-être laissé le tourner le jeu ou je sais pas, ou le téléchargement aussi a compté parce que quand j'ai lancé vous lancez mon personnage, ça marque 14 heures. Mais même, toi 14 heures, je suis level 18, mais je crois que ma quête est level 14 ou 15, donc j'ai encore du retard sur la quête principale et j'ai pas fait la moitié des quêtes qui sont encore disponibles autour de moi, sans compter toutes les collections. Les personnes qui disent qu'ils ont fini, c'est les personnes qui ont fait juste la quête principale. Ils ont fait que ça. Et vraiment, ils l'ont rushé, je pense qu'ils n'ont pas écouté l'histoire. Bonjour. Comment se passe ta première Il y en a journée? qui font ça. C'est juste pour dire j'ai fini le jeu. Non, en fait, t'as rien fait du jeu. Mais... Mais après, il y en a, c'est ouais, finir le jeu plus vite, mais ça n'a pas d'intérêt en fait. Regardez-moi comme c'est beau. Ça me dit rien cet endroit. Ouais, c'est net. Ah, Peeves. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Peeves, arrête! C'est charmant. Il y a quoi qui... Action. Réveillon. Ah. Une page. Carte d'Argyleshire. Cette carte représente l'Argyleshire, une région d'Écosse dans laquelle se trouvent des Hébrides, l'alternative du dragon en noir des Hébrides. Ok. Ah, il y a un truc à faire. Mais je ne sais pas quoi. Vu que je n'ai sûrement pas les sorts. Non, c'est ici. Oh, c'est trop beau! Je vais juste faire un truc parce que. Ça me perturbe. Avant, ça faisait jamais ça et je suis sûre que c'est ça. Non, c'est pas là. Champ de vision, ouais, c'est ça. J'étais à zéro et ça allait très bien et là, j'ai l'impression que c'est... Les trucs, ils apparaissent n'importe comment, c'est chiant. C'est ça que je voulais changer. Parce que j'ai fait des tests et tout ça pour savoir à quoi ça correspond, mais c'est pas toujours. Ok, ah oui, j'ai la guide du sorcier.
Bon, on s'en fout. On va... Si je retourne dehors et si je regarde le ciel... Ah bah là, ça a l'air d'aller. Parce qu'avant, le ciel, il apparaissait en mode poum poum poum. Oh, je déteste quand ça fait ça. Ah oui, ça c'est... Voilà. Faire comme ça. Parce que quand c'est en surbrillant, c'est-à-dire que je peux agir dessus. Alors des fois, c'est juste casser le truc. Mais... Récupérer les pages des sorties. Mais des fois, tu peux juste les détruire. Des fois, il y a des trucs cachés. Sébastien m'a demandé de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez bien lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joute Magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de... Je suis tout le temps de bouger mes écouteurs, mais j'ai mal aux oreilles. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Ok, bien allez. Sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Fais-moi entrer. Et pas tant. Que le feu d'artifice commence. Ouais. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Manche pour initier. Oui, oui, c'est bon. Putain, je suis bête. Pourquoi je fais le poids, moi ? Boum! Trop facile. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir la prochaine championne de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. Ça c'est fait. J'espère te revoir ici bientôt. Joute Magique manche 1. Donc maintenant on doit aller à voir le professeur Weasley. Qui est... Oh, joli, j'aime trop me balader dans Poudlard. Pardon. C'est trop beau. Je passerai ma vie à juste tourner en rond dans ce château. Ah non, c'est vrai. Non, c'était juste, c'était en bas. Jamais je pense que je réussirai à me retrouver dans ce château sans la carte en fait. Escaliers et voilà. Ah non, c'est pas ça. Ah, ça c'est la cour de métamorphose. Ça je la reconnais. Donc ouais, c'est là.
Regardez, chaque fois qu'on voit un chat, on peut le caresser. Il y a une petite cinématique comme quand on caresse le chat qui ronronne et tout. C'est parfait, ce jeu est parfait. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage. Oh, c'est bon, fous-moi la paix avec ce voyage. Tu ne sauras rien. Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Super. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. Je commence vraiment à avoir mal aux oreilles. Je vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Comment j'ai accepté ça? Parce que j'ai été avec mon autre personnage, avec Nati, je voulais aller avec Sébastien. Avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood, un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Pardon, je regarde juste où j'ai mis mes médicaments. Parce que oui, je parle, j'ai mal aux oreilles, ça. Oui, j'ai une otite, ouais, à chaque oreille. Donc c'est un petit peu débile de mettre mon casque et puis de faire un live maintenant, mais ça allait un peu mieux. Enfin, c'était déjà le live était déjà prévu et ça allait un peu mieux, donc je me suis dit, je lance quand même. Mais je ne sais pas du tout. Où j'ai mis mon Irfen. Ça saoule. Voilà. Je vous jure. Mais c'est un Floki qui est là? Viens. Bah oui. Oh oui, t'es beau. Je sais pas si vous voyez le Flocrino. Oh oui, t'es beau mon chat. T'es bien là sur maman. Tu peux rester, y a pas de souci. Tant que tu me laisses jouer, ça me va. Ok, retenez voir le professeur Ronan. Tu es trop mignon. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. Oui.
J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Bébé. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai. Attends, hier, t'as fait la gueule toute la journée. Aujourd'hui, c'est autre chose. Oui, aujourd'hui, tu veux des colles, hein. Je vais accomplir mes tâches. Je m'y étale tout de suite, professeur. J'adore les chats. Oui, moi aussi. Mon petit bébé. Oh. Bon, là, je sais pas qu'est-ce qui. À ce point-là, tu veux des câlins? Tu me fais trop rire, toi. Récupérer la page volante près de la statue brisée. Récupérer la page volante près de... Ok. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Un caca dans l'œil, là. Voilà, désolé, je sais que t'aimes pas trop ça, mais ça me perturbe. Bon, oui, gros chat. Alors, gros chat, hein. Oui. Pourquoi je viens là? Je ne sais pas. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Ok. Ah. Yeah! On peut retourner voir le professeur. Oh, il y a un chat qui est là aussi. C'est un double câlin de chat. Un dans le jeu, un dans la vraie vie. Oui. Ce jeu est infernal. Chaque fois que je vois un chat, je me sens obligée de le caresser. J'imagine que c'est... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Compris. Par contre, la Floki, ça va être compliqué avec une main. Je peux pas lancer Reparos avec une main au début. Non, je ne peux pas. Attends, vite. Voilà. Non, va pas te couer la tête contre la... Toi aussi t'as mal aux oreilles. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, ah oui. Faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Ah oui, c'est pour ça que je voulais, j'ai été là-bas. C'est parce qu'il y avait ça à réparer. Réparo. Voilà. Voilà, voilà. Donc. Non, arrête Sandra, on caresse pas tous les chats. J'imagine que c'était beaucoup moins calme. Honnêtement, je préfère éviter d'aller après Ola en ce moment. Révélio. Ah, ça veut dire qu'il y a un truc à révéler. Ah, c'est là. Fontaine de la Vouivre. Lors de leur moment de détente, les élèves se rassemblent souvent autour de cette fontaine de la cour de Moderbrofos, surmontée d'une statue de Vouivre. Quoi qu'en disent les rumeurs sans doute propagées par Sir Cadogan lui-même, il ne s'agit pas d'une représentation de la Vouivre de Wai abattue par ce fringant chevalier. Ok. Oh, et là il y a un coffre. Je vois le coffre. Le problème c'est que... C'est bien de voir les coffres. Il faut les atteindre. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il y a des énigmes comme ça partout. Je me suis pas encore penchée dessus. Ah! Non, faut que je l'ai dans mon champ de vision pour pouvoir l'attraper. Ah, il y en a encore une là. Ah non, mais Sandra. Ouais! Défi réussi.
Oui. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Du coup, je sais comment faire. On faisait, en fait, on fait un Lumos. Et on doit trouver l'endroit qui apparaît. Si je me trompe pas, c'est juste là, en fait. Non. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai entendu un bruit. Non, mais ça doit être de l'autre côté, du coup, il y a un autre escalier là-bas. On ouais, dirait c'est l'endroit représenté sur le tableau. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? En fait, ça faut... il y a un papillon en dessous. Donc il faut prendre un papillon avec Lumos parce qu'il est attiré par la lumière. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Voilà. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau, et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es douée avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Et Amit, même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Alors... J'aurais dû le voir. Oui, t'aurais dû le voir, mais c'est pas ma faute, ça sert à rien de t'énerver contre moi. Ouh, ah oui. Y'a pas une page près de... Ah oui, là. Alors, fontaine du hall central. Cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique, notamment des sirènes de pierre enchantées qui encerclent la base de la sculpture. Il y a une licorne. Oui. Peut-être regarder quelle quête on doit faire. On doit aller à Priolar. Coucou Danou, comment tu vas? Comment tu vas? Ma voix est partie en couille. Ça va, ça va. Tranquille, tranquille. Zouzou. Zezou, zezou. Alors. J'ai des nouvelles tenues. Ce que j'ai vu. Des nouvelles cartes. Ah non, j'ai même pas de nouvelles tenues. Alors. Guide du sorcier. Oh oui, je peux récupérer une paire de gants. Ok. Je laisse mon leurre qui profite à la fin de ton aventure. Merci. Et merci pour le leurre. Ok. Donc, voilà. Maintenant, on va aller à Priolar. Parce que c'est classe d'aller à Priolar. Rébellion.
Ah, ça sonne. Non, je vérifie en fait quand je fais ça, quand je fais Revelio et puis que ça sonne, c'est qu'il y a un truc à proximité. Mais je voulais voir, en fait, ça sonne du côté de que d'un côté dans mon oreille. Je voulais savoir si c'était normal ou si c'était que c'était la direction. C'est rigolo. Ah oui, c'est là. Oh merde, j'ai pas lu. Il y a encore un là. Tu me cherchais ? Voilà. Armure aplatie. Cette armure appartenait à Sir Skagglethorp, l'insouciant qui fit l'erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Ah oui, c'est un peu la merde. RIP, hein. Cours du clocher. Il y a plein de portes qui sont fermées. Revelio. En fait, ça va te sonner tout le temps parce que il y a tout le temps quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces cornes étaient utilisées par des gobelins pendant la révolte des gobelins en 1612 pour rallier les troupes tout en agaçant les sorciers et sorcières. Cette corne a été découverte derrière l'auberge de la tête du sanglier peu après l'événement avec une tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur, sûrement pour la faire taire. Okay. Ah, je la vois, elle est là-bas là. Les cloches des trois sœurs. On dit que les cloches des trois sœurs tiennent leur nom des trois belles collines escarpées qui s'élèvent majestueusement au-dessus du vallon dans l'Argyllshire. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon de l'autre côté des Highlands lorsqu'elles sont sonnées au château. Les habitants de la région sont déconcertés par ce mystérieux carillon depuis des années. Ok. J'essaye de voir, ouais. Une fois que j'ai fait. Si. Oh, il y a un chat. Chat en bois. Cette statuette de bois ressemble à Pangurdon, un félin chasseur de souris téméraire et compagnon d'études dévoué. J'essaye de voir si. Ah voilà, ça arrête de faire ting, c'est-à-dire que dans cette zone, il n'y a plus de pêche. Ok, ok. Allez. Nati, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre après au lard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de près au lard digne de ce nom. On va sortir du château. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à l'apprendre. Réolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. Tu n'aimes pas le froid, c'est ça? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant.
Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Mais la neige, c'est la vie. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Hein ? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Des gens qui chantent. On se croirait dans Alice au Pays des Merveilles. C'est quoi ça? Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Déjà vu les hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Oh, c'est dommage. Pourquoi est-ce interdit? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement... Je vais faire le truc à Préolard et après j'arrêterai. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Oh non, t'es là. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surprise lorsque le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien les environs, comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça? Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe... Il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si... Pour aller au lac. Nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi ? Tu as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Monsieur Moon ! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année ? Hein ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon? Une demi... aiguise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Il a peur des demi-guises. Pour ça, c'est mignon, les demi-guises. Une demi-guise? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. Ah oui. Prendre la pierre de lune. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Préolard ! Ah, j'ai vu une... page. Voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois Balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Honeduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après au lard. C'est trop joli. Le professeur Weasley a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien, et à tout à l'heure. Alors,
Frilla. Donc on va aller... On est où nous? On est là. Ah bon, on est à côté d'Ollivander. Donc on va aller chez Ollivander. Chercher notre baguette. Oh, un coffre. J'adore quand tu peux fouiller chez les gens. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, je... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais je doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous ? Non, 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 pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'était un fail. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Alors ça, c'est celle que j'ai sur Pottermore. Mais vu que j'ai déjà la même... J'ai hésité à changer avec celle-là, je la trouve classe en blanc. Étrange, très étrange. Ça change pas du tout le... Prunelier. Ah, moi je vais mettre une prunelier. Intéressant. Pas vraiment, pas fragile, mais... Étrange, très étrange. Un mètre. On va mettre un cœur de dragon. Allez. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien, différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante.
La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Ok, bah Ollivander, c'est fait. Ollivander, c'est fait. Ensuite. En fait, je sais que je n'ai absolument pas à aller là-bas. Mais j'ai trop envie d'aller voir l'animalerie. Parce que l'autre jour, quand j'ai voulu aller, bah, elle était fermée. Donc j'ai décidé que j'avais envie d'aller maintenant. Je me demande si on peut acheter genre un chat ou comme ça. Trop beau. Oh, un chat. Il y a des chats partout. On peut pas acheter d'animaux? Moi je suis déçue, ça c'est ma déception, moi je veux un chat. Ah mais c'est pas ici, je suis conne. Il y a des chats mais c'est pas ici. Je me disais c'est bizarre. Oh non, c'est verrouillé. On peut pas. C'est nul. Bon, je dois aller à Navet Magique et Tom machin, donc c'est complètement à l'opposé, mais c'est pas grave. C'est ici. Voici un esprit curieux. Alors, fouillons chez monsieur. Ah oui, j'avais oublié ça. Ça ouvre un escalier. Non, mais bon, je pense que c'est bon. Excusez-moi, je suis là pour les créasors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder. J'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous. Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown.
J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créateur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et qu'on... Désolé, mais il me saoule. Regardons un peu ce que... Comme si c'était intéressant, mais non. Donc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Ça, c'est bon. Donc, maintenant, je dois aller... On va essayer d'y aller. Dans ces vieilles caves, ça me fait rire. Chez Potion Pupin. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la... Vraiment Vous l'avez sans doute lu sur... Le professeur Weasley m'envoie... C'est beaucoup de blabla, juste pour me dire qu'il a de la potion pour moi, quoi. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Ça, je vais vendre des objets, mais pour ça, il faut que j'équipe mes objets non. Voilà. Mais je veux pas de lunettes. Quoi que c'est, elles sont sympas les lunettes sur ce perso. Ok. Voilà. Des nouvelles lunettes. Là, il y a un truc, chaque fois quand je vais dans le dans les collections, je vois une robe mais que je n'ai je vois pas. Ah, c'est celle-là. Elle est super jolie. Du coup, il faudrait que je mette... Elle est trop jolie, cette robe. Mais pour qu'on la voie, je ne peux pas mettre... non, c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'était...
Ok. Donc on doit aller au navet magique. Je sais où c'est sur la carte, c'est là. Excusez-moi. Ah, je vais tout passer parce que... Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Nati. Ok. Allons retrouver Nati. Ah non, je veux pas... Ah oui, avant d'aller voir Nati, je vais aller changer ma coupe de cheveux parce que ça m'énerve. Oui, est-ce que je suis tout à fait futile? Tout à fait, mais... Est-ce que c'est important que ça soit futile? Est-ce que c'est important de se couper les cheveux tout à fait? Bonjour. Oh, elle va me dire que... Pourquoi pas? Qu'aviez-vous en tête? Heureusement, je suis mieux. Avoir l'air d'un moldu sur son... Que me proposer? Voilà. De quoi désolé. Avez-vous besoin? C'est la couleur déjà qui me dérange. Puis la chevelure aussi. C'est... J'aime bien cette coupe de cheveux, celle que j'ai sur mon autre perso. Mais je la trouve classe. Quand tu fais le personnage, j'ai l'impression qu'il a pas la même tête dans le jeu. À chaque fois, je me fais la réflexion. C'est... Enfin, je vais enlever les lunettes. Mais je sais pas, j'ai pas... Ah, je sais pas. De quoi avez-vous besoin? Bisous, bon taf.
Oh, ça m'énerve, je sais pas. Est-ce qu'on aura les cheveux roses? C'est classe les cheveux roses. J'ai vraiment l'impression que ça fait effet perruque. Pas ça joli en fait. De quoi avez-vous besoin? Je vais bientôt plus avoir soif au coup de barbelle. Non, ça, c'est pas possible. Mais j'avais trouvé une où il y avait des mèches qui venaient de. Oh, c'est celle que j'avais à la base. Puis j'ai envie d'avoir des cheveux longs derrière, je crois. Il n'y en a pas beaucoup avec des cheveux longs. Je fais très belle. Celle avec la frange, je l'aime pas du tout, cette coupe de cheveux. J'ai l'impression d'avoir un casque. C'est joli celle-là. Non, c'est dégueulasse en fait. En fait, le rendu il est pas le même quand tu l'as sur ton perso, je trouve. Ah! Du coup, on va essayer celle-là. Je l'ai jamais essayé, mais du coup. Peut-être que ça a un meilleur rendu sur le perso. Moi, ça a l'air d'aller. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que je vais garder la même couleur de cheveux? La mise, elle fait 3 jours pour choisir. J'aime trop cette couleur.
Bon. On finit de faire le jeu. J'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était pas possible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Ah oui. Attaque de toi. Ah merde, ça fait mal. Magie ancienne. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin, est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place. Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Réparo. Heureusement qu'il n'a pas fait ça. Je vais aller voir ce qu'il veut.
aura une chose de moins à régler. Anguisse de Woodcroft. Sa suie est celle d'Anguisse de Woodcroft de Poufsouffle, dont pense qu'il a fondé le village de Préolar après avoir été chassé de chez lui par les Moldus qui le persécutaient. Réparo. Voilà. L'homme. Il y a une page. Réparo. C'est bon là. Justement de toi. Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour... Oui, il va me dire blablabla, il va m'offrir une tenue. Merci. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Ah, il va m'apprendre comment équiper, mais... Ah, sélectionner la cape. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préolar. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois Balais ? Ça semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici, alors. Rêvons bien d'autres objets. Au combat, si cela vous intéresse. Mannequin de Guéchiffon. Ouais, ok. Je vais faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez. Il y a plein de trucs à venir faire la nuit ici. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Cyrona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Les Trois Balais. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolar. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ranrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la Gazette du Sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux Trois Balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Cyrona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu.
C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls après au lard, ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est Lodgok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préférerais garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Vous devez retourner à votre salle commune pour la nuit. Accédez à votre carte. C'est dans quel... Bon, ah, mais il faut que je la tourne. Ouais, bah oui, mais il faut la trouver pour ça. Pas où elle est. Ah. C'est comme une dessert d'aigle. Non, je vais pas y aller à pied. Non, je veux me téléporter. Bienvenue après le préolard terminé. Ok. Ah oui, je m'excuse. Ouvrir le courrier.
Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. Ok. Bon, moi je vais m'arrêter là. Je sais même pas quelle heure c'est. Ah bah c'est midi, parfait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas pour le stream. Bah, de toute façon, cette partie, je la ferai que en stream. Et voilà quoi. Donc, merci pour ce petit live, j'espère que ça vous a plu. De toute façon, ça sera en rediffusion et il y aura un replay. Je pense qu'il faut que je le mette sur YouTube. Faire un let's play du coup. Mais ouais. Très joli. Ça fait bizarre d'avoir des lits à étage comme ça. Alors Pouf Souffle, je me demande. Pouf Souffle et Griffondor, c'est pas des lits à étage. Bon, pour ceux en tout cas pas, je l'ai vu, Gryffondor dans le film ou dans le jeu, ça n'a jamais été non plus des lits à étage et Serpentard, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Bon. On va sauvegarder. Sauvegarder la partie. À jouer de 2 heures. Salle commune de Serdaigle. Parfait. Juste pour vous montrer comment c'est à Pouf Souffle normalement. Je suis dans la salle commune si je ne me trompe pas, ou dans mon dortoir. Ouais, je suis dans le dortoir. C'est le dortoir des Pouf Souffle. Lire le courrier. Il n'y a pas de courrier. Je suis à 17%. Regardez comment c'est joli. Très vite fait. C'est magnifique. Elle est magnifique cette salle commune. Je pense pour moi c'est la plus belle, mais. Après j'ai pas vu les autres dans le jeu à part des vidéos, mais clairement. J'aime trop. Oh pardon. Bah, c'est juste à côté des cuisines. On peut aller aux cuisines. C'est juste à côté. Parce que la chambre de Pouf Souffle, si vous ne savez pas, on l'ouvre. Ok. C'est original. C'est en fait, techniquement, il s'est tapé sur en rythme sur. Elga Pouf Souffle en rythme sur un des tonneaux. Le deuxième là. J'ai pas compris pourquoi tout d'un coup je pouvais pas aller, mais c'est pas grave. En fait, ça avait rien à voir et je me suis trompé total de truc. Ah non, c'était celui-là. Bon, je suis pauvre. C'est pas bien grave. Voilà. Et les cuisines, elles sont là. Faut chatouiller la poire. Ah maintenant j'ai plus besoin de faire le truc. Je peux juste rentrer. Mais il faut chatouiller une des poires. Et on peut rentrer, il y a tous les elfes de maison. Et vous avez les 4 tables. Comme ça, ils font apparaître. Sur les tables. Par contre, il n'y a pas la table des professeurs. Ils font comment pour faire apparaître sur la table des professeurs, du coup?
c'est droit en dessous de la cuisine et ils font passer à travers. Une petite boisson. Bon, bref, voilà, je vais juste vous montrer. Vous montrer les cuisines et la salle commune de Poufsouffle. Voilà. Du coup, on va arrêter là. On va faire une petite pause miam. De toute façon, je vais jouer dans mon coin sur cette partie-là, du coup. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Oh, pardon. Merci, merci. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Sûrement demain, ça dépendra si j'ai toujours mal aux oreilles. Parce que je pense que jouer quand t'as mal aux oreilles, c'est une chose. Mais... faire de la broderie, j'arriverai pas à me concentrer, je pense. Je verrai, je vous redirai, mais normalement demain matin il y a un stream. Broderie, on fera la lanterne. Ah ouais, en fait ma caméra elle était complètement à la ramasse. Voilà, bref, je vous souhaite des très gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.